Le président, the court is now in session. L'audience est reprise. Juste avant la pause, nous avons observé que le coprocureur souhaitait soulever un point. Vous avez la parole, mais vous devez être bref néanmoins. Thank you, Mr. President. I will be brief. Merci. I won't pick up on every point raised by Maître Roux. I will say, on behalf of the co-prosecutors, that the defense arguments are misleading. The co-prosecutors have not asked the trial chamber to put before the parties the DC CAM report in searching for the truth. In fact, on checking the transcript, it was the trial chamber itself that requested that this document be put to the accused. And incidentally, the co-prosecutors do not take the position that 30,000 people died at M13. But really, this has nothing to do with the question of the two DC CAM statements. All decisions of this chamber must be made on a document-by-document basis. Eh bien, doivent être analysés document par document. I can deal very quickly with the submissions under Rule 76 and Rule 87. Ce qui était dit sur la règle 76. Maître Roux's interpretation of Rule 76 is wrong. De la règle 76 est erronée. If the trial chamber reads Rule 76, it relates to nullity of any part of the proceedings. De la nullité de toute partie. In this case, the part of the proceedings that he should have requested for nullity is the request by the co-prosecutors to place these two documents on the case file. It is the putting of these two documents on the case file, a judicial act by the co-investigating judges, that is the act that should have been subject to nullity. So it is relevant. Et donc ici, c'est pertinent. This only leaves us, or rather the defense, with their interpretation of Rule 87. Que cette interprétation de la règle I'm afraid I didn't quite hear his argument clearly. It was lost somewhat in the outrage. Le motif de detected him referring to two of the five tests for considering a document not permitted, that the document was not suitable, one, and that the document may not be relevant, two. But I didn't hear any argument that justifies this court holding that the two DC CAM statements are neither suitable nor relevant. It cannot be correct policy for this court to say that just because a document has not been taken according to judicial principles, that it is therefore not suitable. And these two statements are clearly relevant. They confirm and corroborate the statements of witnesses that have already given evidence. They confirm and corroborate the statements that the accused himself has made before this tribunal. The last point I make is that there is no rule that every document must be confronted to a charged person during an investigation in order for it to be relied upon by the trial chamber. And I note that my learned friend for the defense
made no reference to any internal rule provision. Référence à toute disposition que ce soit dans le cadre du règlement intérieur. Tel est mon argument. Je vous remercie. The President. Le Président. Mr. François Roux, the floor is yours. Maître François Roux, je vous en prie. Oui, je ne reprendrai pas, Monsieur le Président, merci. Thank you. Je ne reprendrai pas toutes mes explications. Je maintiens ce que j'ai indiqué sur la règle 76, dont le titre, je le rappelle, est « Requête en nullité pour vice de procédure ». C'est ça le titre, « Requête en nullité pour vice de procédure ». Et ça s'applique, comme je l'ai indiqué, à des procès-verbaux judiciaires. Les documents que le procureur veut aujourd'hui produire ne sont pas des procès-verbaux judiciaires. Je n'avais donc pas en demander la nullité. Par contre, la règle 87 rappelle d'abord dans son paragraphe 2 « La Chambre fonde sa décision sur les seules preuves qui ont été produites au cours de l'audience et débattues contradictoirement. » And has been subject to an adversarial hearing. Pour répondre à ce que disait mon contradicteur à l'instant, les pièces doivent être débattues contradictoirement, sous réserve qu'elles soient déclarées admissibles. Et c'est le paragraphe 3. Et je propose à la Chambre de s'y reporter à nouveau. La Chambre peut déclarer inadmissible un élément de preuve s'il s'avère, premièrement, petit a, dénué de pertinence, ayant un caractère répétitif. Vous avez oublié, mon confrère. Dénué de pertinence, ayant un caractère répétitif. Et également, et qui s'est insusceptible de prouver ce qu'il entend établir. Alors je commence par ce dernier, insusceptible de prouver ce qu'il entend établir, tel est bien le cas d'un interview qui est fait dans des conditions discutables. Il n'est pas susceptible de prouver ce qu'il entend établir. Nous ne sommes pas dans le cadre d'un simple document qui serait versé par DICICAM, qui serait par exemple ce rapport que nous verrons tout à l'heure, qui a été trouvé dans un organisme officiel de renseignement de l'État du Cambodge à ce moment-là. Nous sommes en l'état d'un document établi par DICICAM elle-même. Et je dis que ce document, parce qu'il ne correspond à aucune forme légale, est insusceptible de prouver ce qu'il entend établir. Et j'ajoute que ces documents ont un caractère répétitif et que la Chambre a à tout moment la possibilité de dire qu'elle en sait assez sur un sujet. Alors, je rappelle que nous avons entendu sur M13 trois témoins plus l'accusé, quand M13 ne fait pas partie des faits de la compétence de cette chambre, et je pense qu'il faudrait maintenant aller de l'avant et enfin aborder les questions pour lesquelles Duyck est poursuivi devant cette chambre, c'est-à-dire les faits qui se sont produits à partir du 17 avril 1975. Je demande donc à la Chambre de dire que ces deux documents de DICICAM, premièrement, sont dénués de pertinence, deuxièmement, sont insusceptibles de prouver ce qu'ils entendent établir,
Troisièmement, ont un caractère répétitif. Et dans ces conditions, au visa de la règle 87, je demande à la Chambre de déclarer inadmissible comme preuve ces éléments. Merci. Le président. The President, we have listened to the submissions and observations by other parties, and the trial chamber will declare that those submissions raised by the co-prosecutors and other parties regarding the ability, the current ability of translation, and also the issues of other documents, également concernant la production, not only the particular documents in the we are discussing now, but we are talking about the other documents too that might have the same weight, and also due to the complication of these documents, and based on the Rule 76 and 87, the trial chamber decides that these matters will be discussed and decision will be made at a later stage. Et qu'une décision sera prise ultérieurement. Next. I will provide the floor to Judge Lavange concerning certain documents. À prendre la parole concernant certains documents that needs to be discussed. Qui doivent être abordés. The documents of the UNHCR. Il s'agit du document UNHCR. Judge Lavange, the floor is yours. De ce document. Donc, Monsieur le juge Lavergne, je vous en prie. Bien, donc je vais essayer de poser quelques questions pour clarifier les circonstances dans lesquelles ont eu lieu l'entretien entre l'accusé et M. Christophe Péchou, représentant du délégué du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, document qui figure à la cote D09 et entretien qui a été réalisé en mai ou avril 1999. Interview took place in April or May 1999. Nous sommes d'accord pour l'instant, nous ne discutons pas de la recevabilité de ce document, mais seulement des conditions dans lesquelles il a été recueilli. La défense, vous l'imaginez, a des choses à dire sur la recevabilité. As you will imagine, the defense will have something to say on the matter. Avant de répondre, je souhaite que ce soit bien traduit. Judge Lavergne, I just want to make sure that this is properly translated before a response is given. The judge's microphone was off. La Chambre souhaite poser des questions pour Judge connaître Lavergne. Les circonstances exactes dans lesquelles cet entretien a été réalisé. Il n'est pas question d'examiner du tout le contenu de cet entretien. Est-ce que c'est bien clair? Vous avez été entendu au cours de l'instruction à propos de cet entretien. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps a duré cette interview, où elle a eu lieu et quand elle a eu lieu? Lucas Grandi accuse Jonas. Madame et Monsieur les juges. From my memory, I went to Battambang on the 29th. Donc, il s'agissait donc
d'entretien à Battambang le 29 avril. At the time, Miss Hugo took me to rent a room. Hugo m'a. It's Miss. Louer une chambre. Il s'agit de Miss, donc Madame ou Mademoiselle Miss Hugo. Dans un hôtel à Battambang, donc dans la province de Battambang. In the afternoon of the 29th, I saw Mr. Pesto Pechu, who arrived. Le 29, j'ai retrouvé Monsieur Pechu, qui est arrivé à ce moment-là. Together with Heng Hongkeng as an interpreter. Heng Hongkeng, Heng Hongkeng en tant qu'interprète. The conversation and the actual interview commenced. La discussion et l'interview qui a suivi donc a commencé. From the afternoon of that 29th April. Dans l'après-midi du 29 avril. Therefore, in that interview, there were five people altogether. À l'occasion de cette interview, il y avait cinq personnes au total. First is myself, Kang Gek-il. Kang Gek-il. Through Mr. Christophe Pechu. Monsieur Christophe Pechu. Three. Trois. Miss Ruth Hugo. Madame Ruth Hugo. And Mademoiselle Plutôt. Et Mademoiselle Plutôt. Donc Mademoiselle Hugo et Mademoiselle Plutôt. Santo. My apology. Je vous prie de m'excuser. The third is Miss Hugo. Troisième personne, Madame Mademoiselle Hugo. The interpreter. L'interprète. Hey Ham Kane. Hey Ham Kane. And number five. Père Bernard, un catholique, un catholique qui m'a apporté un soutien psychologique. Il est, c'est un pasteur. Donc, je vous ai donné la date et le lieu donc, où s'est déroulée cette interview. Il s'agissait d'une interview, mais the way Pechu toujours est-il que carried it Pechu, out, la it looks like it's an interrogation. Et que cette interview a pris la forme, a plus ressemblé à un interrogatoire. I protested it, but then he said this is a United Nations standard. Mais il m'a dit, ça c'est le standard des Nations Unies. He said they had a mandate. A dit qu'il avait UN mandate. Un mandat des Nations Unies. And Heng Hongkeng, my friend, he also emphasized on this matter. Insisté sur ce point. If the tapes would be listened to again, we could see that the interview, the conduct of the interview, on constaterait que la manière dont l'interview était menée. Was not enough for me to cooperate with them. Ne me permettait pas suffisamment de collaborer avec les personnes. Out of boredom. Je l'ai simplement collaboré parce que je m'ennuyais.
Permettez-moi d'insister sur le fait que Monsieur Hey Hom Kane est mon collègue from the same school. Collègue plus jeune du même établissement scolaire. He entered the revolutionary line for 1 year, but he boasted himself that he knew everything about the Khmer Rouge. Mais il prétendait tout savoir des Khmer Rouges. Therefore, the characteristic of this Heng Ham Kane made me bored. Lost my spirit of cooperation. Ce caractère de personnalité de Heng Ham Kane m'a ennuyé. So later on, after I listened to that tapes of the interview, après que j'ai écouté l'enregistrement de l'interview, when the co-investigating judges allowed the lawyers to give me the tapes to listen to, les enquêteurs à me donner l'enregistrement pour que je puisse l'écouter. I noticed that half segment of one side of the tape ou une partie de la cassette I noticed that one side of the tape had another person's voice de la cassette et bien comportait la voix d'une autre personne. Therefore I presumed it was not the original tape. Je présume qu'il ne s'agissait pas de la cassette d'origine, de l'enregistrement d'origine. In conclusion, I would like to inform your honors and the chambers vous informer et informer la chambre. The content of what I am going to speak is about to reveal the truth, because I want to seek out the truth. Que je recherche la manifestation de la vérité. I want to report to the nation, to the country, and to the world that I committed something wrong. Que j'ai commis des actes, des méfaits. That I committed something wrong, that I truly committed crimes. Véritablement commis des crimes. However, cependant, at some parts, I do not want to answer fully because I lack the spirit of cooperation. Il s'agit ici de travailler dans un esprit de coopération. That is all my response to your honors. Donc voilà, ceci conclut ma réponse à vous, monsieur le juge. Est-ce que vous pouvez nous George préciser Lavelle. Combien de temps Could a duré ou ont duré ces interviews? Est-ce qu'il y en a eu qu'une seule? Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Est-ce que ça s'est passé sur une seule journée, une seule après-midi? Combien de temps ça a pris? L'accusé? The accused. Your honors. I already informed your honors. Je vous ai déjà dit. The interview started in the afternoon a commencé of the 30th l'après-midi du 30 of April avril 1999. The first day, the second day, the third day. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. It finished on the third
day, donc, on the third night of May. Après la troisième journée, donc le 3 mai, les entretiens ont touché, ou l'interview a touché à sa fin. So it started from 7 a.m. till 11 a.m. when I was interrogated. À 11 heures, lorsque j'ai And in the afternoon, donc de 7 heures du matin à 11 heures du matin, et l'après-midi, I don't exactly remember the time. It was roughly from 2 p.m. till 5 p.m. à 17 heures. And at night, from 7 p.m. till 9 p.m. 19 heures jusqu'à 21 heures. So during that 3 or 4 days, I was constantly interrogated. 4 jours, j'ai été constamment interrogé. That is my response to you. Voilà ma réponse. Bien, donc pendant ces 3 journées, vous étiez en compagnie des autres personnes que vous avez nommées, donc de Monsieur Péchou, de Madame Hugo, de donc l'interprète et du Père Bernard. C'est exact. And also a journalist, Nat Taylor. Alors, précisément concernant les journalistes, est-ce que avant cette rencontre, vous aviez précédemment rencontré des journalistes et lesquels? Qu'est-ce que vous leur aviez dit? The accused, the honest. The first person who came to see me was Nick Dunlop. La première personne qui est venue me voir, c'était Nick Dunlop. And later on the date, I appeared. Et puis plus tard. As Dutch. Le jour où je suis apparu comme Duke. There were Nate Tayers and Nick Dunlop. Nick Dunlop et Nate Tayer. And another person, he is a Gallois. Une autre personne, un Gallois. He was a cameraman. Un caméraman. But these three did not present themselves or not present with me. All together at the same time. Ils ne se sont pas présentés à moi ensemble en même temps. They did not show me the voice recorder. Ils n'ont pas montré l'enregistrement qu'ils avaient fait, l'appareil enregistreur. The person, the cameraman, the Galois, he didn't ask any questions. Le he only took photos. Il a juste pris des photos. And Nick Dunlop, he took photos and he asked questions. Nick Dunlop a pris des photos et m'a posé des questions. Nate Taylor also asked me questions. Nate Taylor m'a aussi posé des questions. Later on, I saw Péchou, puis plus Miss tard, Hugo. J'ai rencontré Monsieur Péchou, Mademoiselle Hugo. And Heng Ham Keng, et Heng Ham Keng, who came to meet me, qui sont venus me voir, and invited me to come, and invited me to come to Battambang, et qui m'ont invité à venir à Battambang. Qu'est-ce que vous avez dit lors de ces interviews avec les journalistes? Qu'est-ce que vous leur avez dit et qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai oublié. But on some events. Written by Nick Dunlop, mais I believed that was what I qui said. Relaté par Nick Dunlop, je crois que c'est effectivement ce que j'ai dit. I
said that before I used to serve human beings, but now I serve the God. Et j'ai notamment dit que avant je servais des êtres humains, maintenant je servais Dieu. And another point that Nick Dunlop wrote, and which I believe was my speech, et qui je crois et correspond à ce que j'ai dit, is that I said the Christian is the God who took you to meet me. Que c'est Dieu qui m'a amené à vous. I spoke to Nick Dunlop. It's the Christ, the Christ who brought you to meet me. J'ai demandé à Nick Dunlop, est-ce que c'est Christ qui vous a amené à moi? I told Nick Dunlop, the Christ brought you to meet me. J'ai dit à Nick Dunlop, le Christ vous a amené à moi. Nick Dunlop quoted that words, and those are the words c'est là une that citation I qui se trouve, spoke to him. Qui est rapportée par Dunlop, et c'est ce que je lui ai dit. And I also said that Tamok was extravagant. Je dis que Tamok était quelqu'un d'extravagant in the past. Par le passé. But now he is powerless. Mais que maintenant il était that's why he was imprisoned. Sans pouvoir, et c'est pourquoi il avait été emprisonné. That's what I said. That's another thing I said. Ah, c'est autre chose que j'ai dit aussi à Nick Dunlop. And another thing that I said is autre chose encore. I only think about the three topics that I spoke. J'ai parlé. L'interprète n'a pas compris. I told Nick Dunlop that I was busy. J'ai dit à Nick Dunlop que j'étais occupé. And the three things I said were trois choses. Number one, to find a school for students to study. Une école pour que les enfants puissent étudier. Because the Khmer Rouge returned from the refugee camps. Les Khmer Rouges étaient dans les camps de réfugiés. And there was no school. Il n'y avait pas d'école. All the schools had been destroyed. Toutes les écoles avaient été détruites. In my position as the chairman of an education office of the district. En tant que président d'un service chargé de l'éducation dans le district. I hate to find a school for the children. Ouvrir une école pour les enfants. Second, I hate to find a church il fallait que to pay homage to the God. Fonde une église pour rendre hommage à Dieu. And third, et troisièmement, to find rice. Il fallait food trouver du to riz feed myself. Et il fallait trouver à manger pour me nourrir moi-même. I would like to tell you honest and the Cambodian people that at that time dire, I almost juge, starved to death. I was so poor. À l'époque, j'étais très pauvre et que j'étais presque mort de faim. That is my response from my recollections and voilà what I spoke souviens, to them. Voilà ce que je leur ai dit. Est-ce que au cours de ces entretiens avec ces journalistes, vous avez discuté de la position de Pol Pot par rapport à S21 et est-ce que vous avez exprimé le désir de dire la vérité sur S21? The accused, sum up. On the topic of S21, concernant S21, I spoke about it. Oui, j'en ai parlé. I said, Pol Pot et j'ai dit denied que Pol Pot that avait nié l'existence
fabrication made by the UN. C'était une invention des Vietnamiens. I rejected his Pol Pot speech on this topic. Moi, j'ai dit que je n'étais pas d'accord avec Pol Pot sur ce sujet. For the S21, I was the chairman Car of that c'est office. Moi qui avais dirigé S21. The crimes committed et les crimes in S21 commis à S21 were under my responsibility. Avaient été commis sous ma responsabilité. My superior was initially Professor Son Sen. Mes supérieurs étaient Son Sen au départ. And later, et puis plus tard, was Nunchia. Nunchia. So, Pol Pot said it's an invention by the UN. No, it's not, because I was the chairman non, of that office. Non, je dirigeais S21. La liste dans la liste des faits acceptés. Vous avez tenu à ce qu'il soit ajouté un paragraphe qui n'existait pas dans le document de travail remis par les coprocureurs. Ce paragraphe concerne votre reconnaissance, un paragraphe qui s'intitule reconnaissance de culpabilité. Il y a notamment cette phrase, je vais la lire, et vous me direz si vous êtes ou non d'accord. Vous avez dit ceci, enfin, il est dit ceci dans ce paragraphe. Il a expliqué qu'il avait été amené à sortir de son silence parlant de vous. Donc, il, c'est vous. Il a expliqué qu'il avait été amené à sortir de son silence en 1999, estimant que l'on ne pouvait ne pas dire la vérité sur S21 après avoir entendu les propos tenus par Pol Pot qui niaient l'existence de S21 et prétendaient que c'était une invention des Vietnamiens. Est-ce que vous confirmez ce que je viens de dire? On n'a aucune traduction. Est-ce qu'il y a un problème avec la cabine? Est-ce que vous n'avez pas entendu ce qui a été dit? Did you hear what was said? They're asking the translation booth here. Que je peux répéter s'il a dit quelque chose? On n'a pas entendu effectivement. Est-ce que vous pouvez répéter? May you please repeat, Duik, what you just were saying? Sâm đây để lột cha cầm an âm bánh mình đi. The accused. What you have just read out, Your Honours, it lire, means I step out of my silence. Veut dire que je suis sorti de mon silence. Because what Pol Pot said, I could not bear with Parce what Pol Pot said, je so ne pas I had to show my face. Et c'est pourquoi j'ai dû apparaître au grand jour. So, from my recollection, that sentence. Et donc, pour ce que je m'en souviens, cette phrase was what I had said with them at that time. Ce que j'ai dit à l'époque. Bien, je crois qu'il y a d'autres questions, Laverne, mais il est sans doute temps de faire la pause, there are questions, but might be time il y aura now to d'autres questions à poser à la court, but there will be other questions to ask when the court convenes again. Now it's time to adjourn, says the president. Le président, we will adjourn maintenant for de lunch suspendre l'audience pour until la pause déjeuner. 1:30. Nous nous retrouverons ici à 13h30. The detention guards bring the accused back to his waiting room and bring him back before 1:30 this afternoon. Et de le raccompagner ici avant 13h30.